Clop à tous, et Libia, on se retrouve sur Football Manager pour le quart de finale contre l'AS Monaco de la Coupe de la Ligue. Donc c'est parti. Déjà faire l'effectif. Alors, ouais, par contre, ça me le. Marc Gaulle en attaque. Derrière, c'est Cortinovis. Ici, c'est pas Rongier, mais. Evangelista. Crin est blessé. Touré est suspendu. Ben, il nous reste Giroto. Matchis. El Ghazani est mieux que Hermani ou pas? Non. Hermani est mieux. Delpagne. Ivan. Allez. Ivan, Limbombe, on va mettre Charles Traoré. Et en défenseur central, on va partir sur du Carin. Ah, et Diego Carlos est blessé. Bon, on va peut-être le faire jouer. On va le faire jouer quand même. Si, mais petite... Elle n'est pas rouge. S'il était juste malade, donc. Et on va faire jouer Tataru Samu à la place de Dupé quand même. Bon, l'équipe n'a pas l'air trop mal. Par contre, pas en 9 et demi, lui. Milieu offensif, attaque. Voilà, c'est mieux. Donc là, on va partir en positif. Ok. On va faire une petite deuxième tactique, vite fait. On va essayer cette tactique après. Ouf. Ça ne leur va pas du tout. C'est une des futures attaques défense que je tactique que je voudrais tester. Donc je la prépare. Même si je ne pourrais pas la mettre en place étant donné que il va me manquer un peu d'effectifs. Bon, du coup, j'ai plus d'ailier du tout. Bon, déjà, on n'a plus trop de zones rouges. Bon, ça sera ça, en mettant peut-être Cousin à la place. Voilà. Voilà, on n'a plus de grosses jaunes rouges. Ok, donc nous, c'est pas celle-ci qu'on va jouer. Oh, putain, ça va tout changer en fait. J'aurais pas dû y toucher, excusez-moi. Excusez-moi. Lucas Evangelista, là. Oui, là. Pour ça, c'est bon. Cortinovis, ah là, ça a marché ou pas?
Voilà, ici, Matisse. Et ici, Hermanni. Ouais, je pense que c'est quand même une tactique plus sereine contre quelqu'un. Hop. Mathieu Delpagne, ça dégage. On va mettre Fabio au cas où. Tout ça, ça m'a l'air pas trop mal. Allez, c'est parti, on y va. On est en positif. Let's go. Let's go, baby. Ouais, mais j'ai pas d'autres défenseurs. Tous les autres milieux défensifs, ils sont blessés. Crin est blessé. El Compagni, Inixi, il est parti en prêt. Et Moutassami, il est parti en prêt. Et Touré est suspendu. Comme par hasard, lui, c'est souvent. Hop, hop. Hop. Donc c'est parti, vestiaire. Tactique, coup de pied arrêté, tac tac tac, coup de pied arrêté, c'est coup franc, hein. Donc voilà, donc c'est Evangelista. Corner, Hermani. Hop, hop, non, c'est pas le même. Hop. Coup franc. Et donc on a dit corner, gauche, gaucher, gaucher, droitier, ça sera Cortinovis. Donc attendez, le droitier tire à gauche, je me trompe pas. Non. Parce que je me tromperai pas. Tu leur sens bien la boulette? Ok, donc ça sera comme ça. Commentaire de Calo. Il n'y en a pas. Causerie. Allez, c'est parti pour la petite causerie. Nous sommes sur une bonne série. Je veux un gros match. On va essayer. Je crois en vous. Faites toute la différence. Je crois en vous aussi. Et voilà. Continuez sur votre lancée. Comme votre dernier match, il nous a mis trois pions. Marc Gaulle. C'est parti, Cortenivis, Carlos, Cara, Giroto. Ouh, ça a failli. Hermani. Oh, joli tir de Hermani. Cortinovis. Ah, c'est mauvais côté, hein. Ça devrait être mieux comme ça. Bon, pour l'instant, 0-0. Dernières infos, 0-0 partout. Touche. Evangelista, Ivan. Je trouve bien bas Cortinovis quand même. Giroto, Gaulle, Hermani. Ouf, Hermani, il est chaud patate. Hein.
Il me repique dans l'axe, laisse tomber, quoi. C'est un ouf. Traoré, Cara, Giroto, Traoré, Matchis. On ne trouve pas la solution, ils sont bien défensivement. Hermani, oh oui! Oh, c'est joli. Ah! Attends, viens, on va regarder, hein. Traoré, passe derrière. Centre en profondeur sur Hermani, oui, lui, il n'y a pas de souci. Ah, il va être hors-jeu. Il va être hors-jeu. Écoutez, non, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Je pensais qu'il était hors-jeu, mais non. Allez, sur Kara. Oula. Ouh, Lozano. Comment je fais pour enlever ça? Hop, annulé. Consigne particulière. Lozano, on va le tacler dur. Lui, tacler dur aussi. Mauvais pied. Voilà, c'est reparti. 1-0 pour l'instant pour nous. Oh, ils sont gonflés à bloc. Ivan Giroto, Evangelista qui envoie sur Traoré. Repiquage de Traoré. Mais au-dessus. Tire au-dessus. Nikolaj Milankovic, carton jaune pour Monaco. Ils ont un joueur qui se crame quand même assez vite. Hein. Thielmans se crame assez vite là. Traoré, Matchis, Traoré. Ah, perdu la balle de Traoré. Perte de balle de Traoré. Lozano. Pas trop ça, les corners, les centres. C'est un peu mon point faible cette saison. C'est la mi-temps. Vestiaire, on va quand même les féliciter. Continuez sur votre rythme. C'est pas mal, j'ai confiance en vous, c'est pas mal. On va leur dire qu'ils peuvent faire mieux parce que ça serait bien qu'ils en mettent un petit deuxième pour qu'on soit un peu à l'abri. Il y a eu un petit tacle là. Après, tant qu'on a la possession de balle, je veux dire, on n'est pas trop mal. Ouais, ben pourtant. Ok, c'est bon. Hein. Non. Non, 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 non. Ouais. Alors, on va les faire jouer, on va essayer de les faire jouer sur leur mauvais pied quand même. Cortinovis jaune.
Ivan jaune, allez, c'est parti. Pour la série, Ivan a été averti, lui demander de faire attention à cet tacle, bien sûr. Bon, sachant qu'on joue pour l'instant avec Diego Carlos, qui est censé être blessé. Hein. Oh, Giroto maintenant? Eh ben dis donc. Il faut dire que j'ai demandé de leur les tacler dur. Hein. Traoré? Touche pour nous, Cortino vice sur Evangelista, Giroto qui récupère deux fois, deuxième chance, Hermani, Cortino vice, goal, oh oui, but, bien Marc, oh joli, le joli, c'était joli, donc c'est Cortino vice qui a fait la passe et c'est Marc goal qui marque. Bon, bah 2-0 en quart de finale contre l'AS Monaco, c'est pas mal. Plus on les rejoue, je les rejoue juste derrière en championnat. Ils sont actuellement 7e. Ouh là 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 là. Ouf, ouf. Jolie parade de Tata Roussamon. On va jouer très défensif. Allez, on va jouer très défensif. Pour essayer de préserver le score. On laisse beaucoup de rôle d'espace. Matisse. Oh. Ouh, qu'il est beau. Oh, Cortinovis c'est chaud patate aujourd'hui. Bah, 3-0 alors que je voulais jouer plus défensif. Comme quoi, des fois, il faut pas. Bon, à 2 minutes de la fin. Allez, Cara, encore un jaune, allez. Ouais, ça c'est pas mal, Traoré, vas-y, vas-y. Reviens, reviens en arrière, merde. Ils essayent de gagner du temps là. On va s'en prendre un. Non, c'est fini. Victoire 3-0 contre l'AS Monaco en quart de finale de la Coupe. Coupe de la Ligue. Il pensait qu'on allait aller aux séances de tir au but. Ben non, attends. T'es pas. Hey, oh. C'est Livia le coach, hein. Quel espoir. Félicitations. Impeccable. Que vous dire de plus? C'est magnifique. Paris qui a gagné contre Strasbourg. Lyon qui a battu Reims. Donc, c'est qui a gagné? C'est l'OM ou. C'est quand au penalty? Ah, ça va être quand au penalty puisque le P il est par là. Donc quand a battu l'OM au penalty? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va regarder, on va vérifier le score. Tac, tac, tac. Ok, ils ont tous marqué. Et c'est Célestin Carr qui a raté son penalty. Et qui a donné la victoire à Caen. Ok. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Bon, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Une belle victoire 3-0 contre l'AS Monaco. Ça fait toujours du bien, surtout en quart de finale de la Coupe de la Ligue. En sachant qu'on est quand même tenant du titre. Puisque je tiens à vous rappeler que la saison d'avant, j'ai fait championnat, Coupe de la Ligue, Coupe de France. J'ai fait un triplé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, activer la petite cloche. Et on va quand même féliciter Alejandro Cortinovis pour son magnifique match. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain match. Bye bye, amusez-vous bien.